with the song, with the love, with the fire, with the fire, with the fire, say I am, with the fire. Donc Althea rentre dans l'auberge. L'aubergiste voit rentrer dans l'auberge, met ses deux poings sur ses hanches, il te dit non mais c'est vous me prenez pour un con là. Je suis vraiment désolé. Est-ce que par hasard vous auriez revu mes compagnons de route? Il baisse les bras. Oui. Il y a une demi-heure à peu près, ils vous cherchaient. C'est vous, Adriana. Althea. Althea. Ah, j'arrivais pas. Ils avaient oublié votre nom, en fait. Quoi? Ils avaient oublié votre nom. Alors moi, je me souvenais qu'il y avait un A au début, un A à la fin, et que c'était assez court. Et on était plus ou moins tombé d'accord sur Adriana. Ça leur allait. Althea. C'est moins courant, mais c'est joli. Ceci étant, je vous ai foutu dehors ce matin. Je vais dégager rapidement, ne vous inquiétez pas. Je voulais juste savoir si vous les étariez, où je peux les trouver. Rendez-vous en ville et ils y sont pas. Je les ai envoyés sur la piste de votre canard à l'orange, si ça peut vous aider. Sur la piste, d'accord. Et oui, il y avait un vieux reste de canard à l'orange de l'auberge des Auriques dans votre chambre. Oh, il l'avait pas fini? Bah, il y avait des restes. Vous savez, les os, tout ça, ça se... Ah oui, c'est vrai. Votre ami, il a faim, mais quand même, quoi. Il a des limites. Bon, il y a des poubelles. Il a des limites. Et puis, ils avaient l'air pas très bien, je les ai envoyés au sablier. Qu'est-ce que le sablier? Et comment ça, pas très bien? Il se souvenait de rien, en fait, apparemment. De pas tout. Ils avaient l'air... moitié drogué, moitié envoûté. Enfin, du coup, je les ai envoyés vers un gars qui s'y connaît, quoi. Pour les désenvoûter, vous voyez. Je sais pas comment on dit. D'accord, oui. Désenchanté. Je vous ennuie pas plus longtemps. Je m'en vais. Je ne reviendrai jamais. Je vous rassure. Oui. Je sais pas pourquoi. Je pense que je vais vous revoir dans une heure, mais bon. Allez, au revoir. J'espère pas. Tu arrives devant le Sablier, qui est une boutique de gris-gris, d'ingrédients pour sorcellerie en fait, divers et variés, de connaissances occultes et de pratiques occultes, et certainement d'objets enchantés très certainement. Et quand tu pousses la porte et que la petite clochette retentit, dans la boutique tu as Royce et William. Adriana! Anastasia! Pamela! Et donc, il te saute dans les bras, tout content. Wow! Distanciation sociale. Que dalle! Force physique, obligation. Patriarcat. Ah oui, il m'avait dit que vous étiez mal en point, mais je pensais pas que vous seriez content de me voir et que ça allait si mal que ça. C'est merde. Il y a un vieux monsieur derrière eux qui te dit il faut pas leur en vouloir, ils viennent à peine de se souvenir de vous. Comment ça? Ils avaient t'expliquer tout ça. Ils avaient tout oublié. Un sortilège d'amnésie. En tout cas, ce brave homme nous a sauvés. Sortilège ? Carrément. Carrément. Ouais. Figurez-vous qu'il y a des gens qui font de la magie. C'est fou. C'est incroyable, j'adorerais en croiser. C'est fou. Sur le comptoir votre boutique. Sur le comptoir devant lui, il y a la baguette magique de William qui est posée. Et que William s'empresse de remettre dans son sac. D'ailleurs. Et il se demande bien ce qui lui a pris de la sortir, d'ailleurs, mais bon. Il te la rend en disant « On n'a pas toujours un sortilège d'amnésie sous la main. »
Ouais, ça servirait là. Hein. Reprenez donc ce balai et rentrez chez vous. Ah, super, j'ai un balai. Le monde fabuleux de la magie. Eh ben, vous vous êtes retrouvés, tant mieux pour vous. Vous avez réglé à ce monsieur ce que vous lui devez, on y non, va ? Non, pas encore. Pas encore, on en était là. Alors, combien te dois-je, brave homme ? Oh, rien. Ça m'a pris, ça m'a pris 5 minutes, vous voulez rire ? Non, ce que je vous propose, ce que je vous propose en échange, c'est que, comme la plupart de mes amis, si vous trouvez des objets particuliers, sachez que je les rachète à bon prix. J'ai une question. Je reviendrai. Ouais. Il faut qu'on aille voir bourse à la maison. Nos armes, malgré qu'on a été envoûtés, on les a toujours avec nous. Ah oui, vous êtes équipés comme avant. Okay. On ne vous a rien enlevé, volé. Rien qui vous aurait inquiété. Ah, on m'a même laissé ma baguette magique. on vous a pas fouillé ou dépouillé. Hein. On vous a juste charmé. Ok. On va aller vers le manoir Borden et vous allez me raconter ce que c'est que cette histoire de mémoire perdue. Tu as donc droit à un récapitulatif de leur départ étrange, dont ils ne se souviennent pas vraiment, de leur arrivée au pont. Des questions bizarres sur leur destination qui leur semblait soudain malvenue. Et il semblerait que la personne qui les a envoûtés se soit basée sur le mensonge que vous lui avez raconté. Mm-mm. Et que la base de cet envoûtement ne soit pas très solide, parce que concrètement ça correspondait pas à quelque chose de véridique. Et vous arrivez donc devant le décrépit manoir Borden. Mais ils n'arrivent pas à se souvenir de ce qui s'est passé après le moment où on s'est quitté au temple du Non, ils n'ont aucun souvenir du temple. Pour eux, on s'est quitté devant l'auberge après s'être fait mis à la mettre à la porte et... Pour eux, vous êtes sortis de l'auberge après vous êtes fait foutre dehors et ils sont devant le pont. Eh ben, je peux vous dire que les jurons n'étaient pas très polis hein, quand on s'est fait foutre à la porte. Vous vous retrouvez donc dans le manoir Borden. En même temps, c'est pas grave, ça pue un peu dans cette auberge. La sympathique Luna. Ah ouais, je vous ai pas raconté. Il y a Luna qui vous aime. Vous inquiétez pas, tout va bien. On est scotché. Il y a Luna. Bon, ben voilà, ça c'est fait. ça, c'est fait. Check. qui est dans une des pièces non rénovées du manoir, donc une espèce de vieux truc en ruine, décrépit, des lézards au mur, des rats par terre, enfin voilà, c'est vraiment lugubre à souhait. Elle est assise sur un fauteuil qui a dû connaître des jours meilleurs, mais qui est plutôt maintenant couvert de poussière que d'autres choses. Et vous regarde avec un certain sourire. Compagnons Royce et William. Vous êtes en train Alors, Althea, je suis scotché. Est-ce que j'ai besoin tu devais lui parler, et là, tu l'as sorti de prison. Mais tu. Qu'est-ce qui se passe? La garde va nous courir après ou. Figurez-vous qu'on s'est fait mettre dehors par le sergent Dars, parce que c'est la journée où je me fais mettre dehors. Mis dehors par Dars. Bon, d'accord, en fait, c'est plus compliqué que ça. Libéré. Délivré. Oui, si vous voulez. Waouh. Je pense que le sergent Dars est convaincu que je serai plus gênante dehors que dedans. Eh bien, quelle surprise. Gênante pour ma tante, je veux dire. Ouais. Puisqu'elle veut me voir enfermée, il choisit de me laisser dehors. Le sergent est joueur. Tant mieux pour nous. C'est un fin manipulateur. Vraiment. Il faut se méfier de lui. Il a des... Il peut avoir des abords gentils ou agréables ou qui invitent à sourire. Mais il ne fait jamais aucun mouvement sans compensation. Il a toujours une idée en tête. Même là, il a sûrement une idée en tête.
La question que je me pose, c'est... Est-ce que ma tante sait que nous sommes sortis ou est-ce qu'elle nous croit toutes les deux en prison? Les gens qui nous ont vus sortir, et si c'est dans l'intérêt du sergent Darcy, l'oreille sera débrouillée pour que ça se sache, non? Si elle le sait, tout le monde va le savoir. Et tout le monde, je veux dire mon père, mon autre tante. C'est pour ça qu'il faut qu'on décide rapidement de ce qu'on va faire à partir de maintenant. Et c'est peut-être l'occasion de vous faire le petit résumé de tout ce qui nous est arrivé dans la cellule. Paf. Résumé. Ça, vous êtes au courant, moi. Ouais. On le fait vraiment ou ça ira? Non, 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 c'est bon, voilà. Non, c'est non, fait, mais non, c'est bon. Voilà, résumé, c'est en fait, résumé. C'est fait. Pif, pif. Vous feriez quoi à ma place? Je nous enverrai voir Vilcek pour clarifier la situation. Oui. On pourrait simplement aller voir Vilcek tout en laissant Luna ici, éventuellement, pour éviter qu'elle soit repérée sur la route, pour prévenir Vilcek qu'elle est là, qu'elle est libre. Bah, je pense qu'on pourrait peut-être demander son avis au père Croz. Il connaît la ville, il connaît les personnes. Son avis pourrait être intéressant. C'est qui celui-là? Il faut le tenir au courant de ce qui se passe. Un ami. Un ami. Mais vous avez beaucoup d'amis. Qui connaît bien votre père. C'est la raison pour laquelle on est là, soyons honnêtes. Un ami de mon père. Eh ben, ça promet. Un vieil ami. Enfin, ouais. Vieille connaissance. Je sais pas si on peut dire... Mais il faut dire ami, c'est bien, ça rassure, ami. Donc? Ça dépend du genre d'ami qu'a son père. Ouais, dans quel ordre on fait ça? Croz est sur la route pour aller voir Vilcek. Ouais. Donc, vous faites une... Moi, je vous propose, par exemple, que vous alliez les voir, vous leur racontez tout ça. Moi, je vais rester avec Luna, question de qu'elle soit pas toute seule. Ça me semblait bien qu'elle soit pas toute seule, ouais. Vous passez donc à l'auberge des Auriques, où le père Croz savoure un délicieux thé au jasmin. Vous invite à entrer quand vous franchissez le pas de la porte. Du coup, les serviteurs vous laissent passer. Il est dans un petit salon privé. Ah, oh, bah, entrez, entrez. Asseyez-vous. Oh, vous êtes très en beauté, Althea. C'est vrai, j'ai pas ce maquillage vous va à ravir. Alors, est-ce que nos affaires avancent? Plutôt oui. Ah, mais voilà qui est formidable. Vous voulez boire quelque chose peut-être? Non, pas vraiment. Royce. En ce moment, ils boivent plus rien. Royce. Je veux bien un petit quelque chose, un thé. Ça serait un thé pour la dame, même pas une bière, pour... rien. Ok, d'accord, j'insiste pas. Non. Vous changez, Royce, attention. Racontez-moi, les choses avancent. J'aime quand les choses avancent. Alors, il y a du monde autour de nous. Non, on est c'est un salon privé. Et si on parle à voix basse, on nous entendra pas. C'est un salon privé. Ok. Luna est sortie de prison. Bravo. Avec l'accord du sergent Darce. Incroyable. Pas grâce à nous, spécialement. Formidable. C'est ça qui est assez inquiétant, parce que le sergent Darce semble manipuler la situation tout autant que Oren Balioun. Balioun. Hey. Balioun, baby. Et donc, nous nous retrouvons avec une prêtresse de médium qui a fait voler les deux mains. Par Luna en la manipulant. Et nous étions en train de nous demander s'il était de bon ton d'en informer Vilcek et sa cousine pour essayer de les remettre, enfin de faire quelque chose contre ce qui est en train de se passer. Et nous voulions votre avis, sur vous qui êtes un peu plus éclairé sur Balioun, sur comment tout c'est ça là qu'on se va voir. Je crois qu'on en était c'est là qu'on va voir qui vous êtes. Sur le papier... Althea aux dernières nouvelles. Je ne sais pas qui est Althea, c'est vous qui allez décider. Sur le papier, nous avons fait ce que l'on nous a demandé. Elle est sortie. Oui, on a fait sortir. Nous pouvons
remonter sur nos chevaux et rentrer chez nous. Ou alors, nous négocions plus. Je vous rappelle qu'on n'est pas des bons samaritains. Hein. Alors, d'une part, effectivement, on a rempli ce qu'on pouvait, mais j'ai tendance à me mêler souvent de ce qui ne me regarde pas, c'est un peu un problème. Ah non, mais c'est très intéressant. J'aimerais aller jusqu'au fond. C'est très intéressant, tant que nous en tirons profit. Moi, et d'un point de vue pragmatique, je pense que ceci nous permettrait que les deux guildes finissent soit en guerre, soit utilisées par quelqu'un qui ne serait pas notre ami, à savoir la prêtresse de Médion, qui pourrait faire capoter tout notre plan par ailleurs. Parce que si elle veut récupérer ses deux mains, elle a peut-être l'intention de récupérer le contrôle des deux guildes, ou du moins de les affaiblir. Mais ça, c'est une théorie très intéressante et je dirais que si nous choisissons de la soumettre à Vitchek, il faut déjà que nous réfléchissions à ce que nous allons demander en échange de nos efforts. C'est un marchand, Vitchek, hein, je vous rappelle. Hein. C'est pas un monde-piété. Nous sommes venus ici tirer des profits pour notre village. Si nous avons matière à faire encore plus de profits, on va pas se gêner, on est à Balyoun. Balyoun, on fait des affaires. Mais si je vous pose cette question, ce n'est pas pour un dilemme de morale à deux pièces d'argent. Non, c'est pour savoir si vous êtes prêt à risquer encore plus. Parce que s'intéresser à tout ça, mettre notre nez dedans, aider les gens, ça peut avoir un coût. Un coût humain, je veux dire. Ça peut créer des inimitiés. Hein, on n'est pas dans un roman, on sauve pas le monde tous les 4 matins. On peut se faire des ennemis qui nous poignardent, qui nous retrouvent, qui nous ennuient. Voilà, c'est... Je vous enlève la mémoire. Tout est donnant-donnant. Vous voyez, par exemple, on pourrait très bien sortir de là avec la grande aurore du temple de Balyoun qui nous déteste. Alors, je dis pas que... De toute façon, je la déteste déjà. Oui, ça c'est un fait, mais qu'elle vous déteste en retour, c'est autre chose, vous voyez, parce qu'elle, elle craint pas beaucoup de votre part. Par contre, vous de la sienne, ça peut être plus compliqué. Alors, est-ce que le jour voit la chandelle? C'est ça qu'il faut peser. Et encore une fois, j'essaie pas de vous dissuader. C'est vous qui allez prendre la décision, c'est pas moi. Vous voyez? J'essaie juste de vous faire comprendre qu'il faut être sûr que, à la fin, on va en ressortir plus riche, d'une manière ou d'une autre. Plus équipé, plus étoffé, un meilleur réseau, un contrat encore plus juteux, plus d'argent pour Ament, je ne sais pas, quelque chose quoi. Pas juste une grande prêtresse qui nous déteste et merci, bonne journée. Voilà. Donc vous pensez déjà à quelque chose? Ah bah... J'ai cru comprendre que Vitchek ne viendrait pas chercher nos marchandises et qu'il faudrait qu'on se démène pour les amener tout seul. Eh ben, peut-être pas. C'est hein. L'organisation du trajet. Peut-être pas. Peut-être qu'on va faire que la moitié du chemin et peut-être qu'il va faire l'autre moitié, vous voyez. Et c'est bien parce que c'est l'autre moitié qui est la plus ennuyeuse pour nous. Et c'est peut-être lui qui va se charger de ce fameux passage sur le pont. Et on devient les meilleurs amis du monde, et on sauve Balyoun, et tout ça, quoi. Et les bardes en feront des chansons. Voilà les enfants. Qu'est-ce qu'on risquerait concrètement à se mettre au Renado? C'est une personne influente. Alors, à Balyoun, mais aussi au sein du clergé de Médion. Alors concrètement, hein, je vais vous dire, ça ne va pas vous empêcher de dormir demain soir, hein, ou après-demain soir. Elle ne va pas prendre son bâton de pèlerin et venir vous poursuivre à Ament pour vous rosser. Mais vous ne savez pas où l'avenir va vous mener, et qui vous allez croiser. Et peut-être qu'un jour, dans un an, deux ans, trois ans,
quelque chose va nous ramener à Balioun. Quelque chose d'important, je veux dire. Et peut-être que ce jour-là, on ne sera pas très heureux que la grande aurore décide de nous mettre des bâtons dans les roues pour se venger. Peut-être. Vous savez, toute action entraîne des réactions bonnes et mauvaises. Nous aurons des soutiens, nous aurons des ennemis. Alors que si nous partons maintenant, ma foi, nous restons encore dans une position relativement neutre. Luna est sortie, mais comme vous l'avez dit vous-même, ça n'est pas vraiment de notre fait. On pourrait disparaître du jour au lendemain sans que personne s'en inquiète. Mais si on met les pieds dans la porte, nous serons vus. C'est à vous de voir. Moi, à titre personnel, ces journées de 3 jours de plus dans cette magnifique auberge ne me dérangent pas. Nous avons obtenu de Vitchek 10% seulement sur nos cargaisons. Nous allons donc encaisser 90% hors taxe, puisqu'il n'y aura pas de taxe forcément. Il va écouler nos marchandises. Pour l'instant, nous sommes plutôt gagnants. À vous de voir. On va devoir retourner discuter de ça avec William, parce que ça le concerne aussi. C'est vrai. C'est pas faux. Je vais donc vous remercier pour le thé et vos conseils. Mais je suis ravi. Je vous souhaite... Et on va retourner voir William de ce... Je vous souhaite de prendre la bonne décision. Ah, de toute façon, on prendra la décision. Et vous revoilà donc, un peu plus tôt que prévu, devant William, surpris de vous voir revenir. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Un problème ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quoi ? On nous dit d'aller à droite, enfin on nous dit d'aller à gauche. Il y a un souci avec le père Croze ou... Un résumé de la conversation. C'est compliqué. C'est vrai que d'un côté, on pourrait s'en sortir bien comme ça. Et ce serait déjà pas mal. Quels sont vos avis ? J'aime pas laisser les choses comme ça. J'ai l'impression de n'avoir fini mon boulot. Ça, je m'en doutais, Althea, je m'en doutais. Mais toi, Royce ? Moi, je suis toujours en colère contre Oren. Donc, si je peux lui mettre des bâtons dans les roues, ce sera un très grand plaisir. Ou autre part. Vengeance ! Ouais, je t'avoue, Royce, je l'ai mauvaise aussi. La situation est pas viable en la laissant comme ça, en fait. Enfin, c'est pas pérenne, ça restera pas... Ça va créer des troubles à Balioun. De toute façon, il va y en avoir, quelle que soit la décision qu'on prend. Il faut arriver à solidifier le terrain par rapport à Oren. Elle sait qui on est, elle sait pourquoi on était là. Elle pourrait nous mettre des bâtons dans les roues plus tard. Moi, je n'aime pas laisser la situation comme ça. Elle sait pas qui vous êtes. De souvenir. Si. De souvenir, on lui a pas dit qui sinon, on était. Sinon, son envoûtement vraiment aurait marché. Elle vous aurait envoyé à Ament et vous seriez rentré chez vous, super content. Ah ouais. C'est ça, c'est vous lui avez servi une soupe et elle a fait une faute professionnelle, on va dire. C'est qu'elle s'est contentée de ce que vous aviez dit. Et qu'elle a bâti son envoûtement sur votre mensonge, qui avait l'air crédible. Hein. Oui, mais. Bah, ouais, oui, non, mais tout à fait. Elle connaît pas beaucoup de choses sur nous, mais elle nous connaît personnellement. Elle sait. Elle sait à quoi on ressemble. Elle sait à quoi on ressemble, et voilà. Donc, si jamais on devait se recroiser. Je t'aurai, Adriana. Voilà. Non, elle connaît le nom, enfin ce nom actuel. Oui. Elle m'appelle pas Adriana. À moins qu'elle se lance, qu'elle mange une tête de fruits. Juste derrière, t'as Dars qui passe, qui fait c'est pas Elena. On m'aurait menti. Un personnage à la fin qui ne connaît plus son prénom, à force. J'en ai trop. Non, mais oui, je serais pour approfondir tout ça et comme l'a dit. Ce bon vieux père Croze,
essayer d'appuyer encore plus l'avantage que l'on a déjà et pour le transformer en succès retentissant. Ament en aurait bien besoin. Je pense qu'on a tous une dette envers Ament. Ouais. Pendant ce temps, Royce et Altea, vous arrivez dans le quartier d'Anne, devant l'entrepôt, où se tient Vitchek, en train de discuter avec son contremaître. Qui vous fait un petit signe quand il vous voit de loin. Qui termine de régler 2-3 détails et puis qui renvoie son contremaître d'un geste de la main et vous fait signe d'approcher. Alors les amis, du nouveau ? On est tranquillement avec lui ou il y a du monde qui risque de nous entendre ? Il y a du monde qui va vous entendre. Est-ce qu'on peut discuter dans un endroit tranquille ? Ah, ouais. Venez avec moi. Vous lui emboîtez le pas, il s'éloigne de la construction en direction de la forêt. Et s'arrête à bonne distance de l'entrepôt et à bonne distance de l'orée de la forêt. Un endroit où il n'y a pas de truc où se cacher. Donc vous avez un peu le contrôle de votre environnement direct. Pas de rochers, pas de troncs d'arbres, pas de construction. Un endroit très très plat et vous êtes un petit peu tout seul au milieu. Et il vous fait là, ça vous va ? Il n'y a pas d'oreille indiscrète, oui ? Ah bah... Ou alors le gars il est tellement doué que c'est pas la peine d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous avez à me dire ? Ouais, on se méfie. On va commencer par la bonne nouvelle. Mmh. Votre fille est sortie de prison. Légalement. Félicitations. Vous m'expliquerez comment ou c'est un secret ? Oui, on peut. Ça va nous amener à la deuxième partie de cette histoire. Je sais pas pourquoi. J'en étais sûr. Regardez vers Royce. J'en étais sûr. Je sais pas négocier avec les méchants, moi. Allez-y, faites-moi rêver. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Alors, il se trouve que les choses sont bien plus dense que ce qu'on pensait de prime abord. Les choses de quoi vous parlez ? Toute cette histoire de vol et tout ça qui est liée à Luna, forcément. Ouais. Et qui est derrière tout ça, parce qu'on en a une largement meilleure idée. Et on nous a fait remarquer que Ament est loin et que... Faire tout un convoi qui arriverait jusqu'ici est complexe et que. Ouais. On pourrait peut-être se rendre mutuellement service. Ouais. Sinon, moitié-moitié. Et à mesure qu'il parle, il se rapproche de toi, Altea. Jusqu'à être vraiment très près. Jusqu'à être vraiment très très près. Et. J'ai plus un en charisme, tu dois encore rester un peu. Ses yeux noirs se fichent dans les tiens et ton maquillage cool et tu perds ton plus en charisme. C'est l'air d'un panda, c'est ça. Mignon. Ses yeux noirs, il te met dans une Pokéball et il s'en va. Ses yeux noirs sont figés dans les tiens. Et J'essaye autant que je peux de soutenir son regard avec mon bonus de volonté. Si vous en veniez au but. Notre temps à tous les deux est précieux. Vous voulez quoi ? Nous voulons nous organiser de manière à ce que nous ayons que la moitié du chemin à faire. D'accord. Depuis Ament jusqu'ici, okay. Et que vous occupiez du reste. Et pour ce prix-là, j'aurais quoi ? Bien, vous retrouveriez peut-être la main d'or. Ah, ça, c'est me parler. Ça, c'est voilà, me parler. Merci Royce. Est-ce que vous savez où elle est ? On sait qui la possède. Oui, ça revient un peu au même, mais... D'accord, et vous me le direz pas si je n'accède pas à votre demande, c'est ça ? C'est ça. Je me viens pas derrière. Je ne sais pas pourquoi,
mais je suis persuadé que elle me le dirait, dit-il en pointant Althea. Vous avez la lèvre inférieure qui tremble, jeune fille. Pas une négociatrice. En vous cuisinant 5 minutes, je saurai tout ce qu'il y a à savoir et je n'aurai rien à payer. C'est pas tant ça que j'aime pas laisser les choses dans cet état-là, mais je dois aussi aider Ament et Royce. Empêche-moi d'être gentille. Elles font, sauf qu'il faut d'abord passer par elles moi. Elles font sur place. Fini. Oh, une flaque. Oh mon dieu, le tatouage de bisounours sur mon ventre s'allume. tu reviens avec un bocal avec Althea dedans. Ah, merde, elle a coulé. Avec des couleurs arc-en-ciel et des petits cœurs qu'en sort. Ça, c'est un langage que je peux comprendre. Mais il ne me suffira pas que vous me disiez où est la main d'or. C'est un peu léger. Faudrait que vous me la rameniez. Ça, c'est plus costaud. On s'en doutait. Il tend la main vers Royce. Marché conclu. Marché conclu. Vous serrez la main. Il lance un petit sourire malicieux à Althea. Bon, alors, qui a ma main ? C'est Oren qui a votre main. Elle a les deux mains. Ah non. L'autre est toujours chez ma cousine. Ah ouais, elle voulait la deuxième. Elle. Puisque c'est elle qui est derrière tout ça. C'est incohérent. Elle nous les aurait demandées, on lui aurait rendu. Les mains appartiennent au temple, elles ont toujours appartenu au temple. Elle n'a jamais été la propriété des guildes. Elle les a fait voler par Luna en utilisant ses dons de manipulation sur elle. Et croyez-moi, elle est très douée, elle a fait oublier à mes amis toute leur mémoire depuis ce matin. Je vous avais prévenu que Oren vous ferait marcher cul nu dans la rue si elle voulait. Bon, l'urgence, c'est de ramener ma fille ici. Et le plus discrètement possible. Elle est où ? Elle est actuellement au manoir Borden. C'est le seul endroit qui me semble suffisamment tranquille. Je vais envoyer des hommes à moi pour la chercher. Elle est avec William. Et vous, il faut vous cacher d'Oren. Au moins pour l'instant. Au moins le temps qu'on sache ce qu'elle fait. Il faudra faire préciser à vos gardes que ils sont au courant, car William pourrait être sur la défensive. D'accord. Althea, vous pourriez me passer un truc à vous qu'il reconnaîtrait ? Tenez, prenez cette amulette. Ça va. William la reconnaîtra. Ça marche. La suite va pas beaucoup vous plaire. Il sort de sa poche des bandeaux. Non, c'est pour aller dans l'endroit où on n'est pas repérable. Qu'il vous tend, exactement. Prêtresse. Les talents d'enchantement d'Oren sont un fait, mais les talents de divination des prêtres en sont un autre. Il n'y a qu'un endroit où elle ne vous trouvera pas, c'est dans mon repère. Là où était cachée la main. Exactement. Et comme le mieux c'est qu'on sache pas où elle est. Je préfère que vous ne sachiez pas où c'est. Et par le mot préfère, je veux dire j'exige. Au cas où il y a comme un doute. Très bien. On vous bande les yeux. Et on vous conduit. Je vérifie que j'y vois rien. Ah, rassure-toi, on vérifie pour toi. Et on vous conduit. Vous marchez un moment. Vous avez la sensation qu'on essaie de vous perdre. Donc le chemin est pas en ligne droite. Hein. Ça tourne, ça fait demi-tour. Voilà. Vous avez juste le sentiment à un moment qu'on vous fait descendre un escalier. Donc sûrement une maison, une trappe. Un truc qui descend assez profondément sous terre, en fait. Vous marchez un moment sur un sol qui est très inégal. Et quand on vous enlève les bandeaux, vous êtes en sous-sol.
C'est une grotte, donc c'est pas du tout des murs droits, il n'y a pas de plafond, c'est une vraie grotte, quoi. Et dans cette grotte, il y a une sorte de bureau avec des papiers dessus, comme un bureau de travail. Il y a beaucoup d'armoires, de vaisselliers, il y a beaucoup de coffres qui sont un peu remplis ras la gueule d'objets de valeur. C'est une caverne d'Ali Baba que vous avez devant vous. Soieries, vases, pierreries, objets d'art, tableaux, sculptures. Et il n'y a que vous deux d'abord, et Vitchek. Et au bout d'un certain moment, arrivent Luna et William. Parce que je suppose que tu ne résisteras pas, William, aux gens qui viendront chercher Luna. Voilà. Donc vous vous retrouvez tous devant Vitchek et Luna. L'homme qui a conduit William et Luna ici se tient aux côtés de Vitchek. Vous l'avez parfois vu à ses côtés qui traînait dans un coin, mais ça a l'air d'être un de ceux qui sont au courant de cette cachette. Dans la mesure où il est là, oui. Vitchek regarde Luna en silence, donc il y a une espèce de chape de plomb qui tombe sur l'endroit. Luna regarde le sol. Vous sentez bien que Vitchek doit pas être le meilleur des papas, on va dire. C'est peut-être un bon chef de guilde, un bon marchand, mais là, il sait pas trop comment faire, et elle sait pas trop comment faire non plus. Ça rappelle des souvenirs. Elle a une pâte de fruits. Et au bout d'un moment, Vitchek tape d'un poing rageur sur son bureau et lâche la salope. Oren. Et s'approche de sa fille, lui pose une main sur l'épaule et lui dit elle nous paiera ça. Et Luna lui saute dans les bras. Et il se serre très fort d'un amour père-fille qui dure quelques secondes. Il retrouve un petit peu le sourire, la chape de plomb se détend. Et le bras droit de Vitchek vous laisse, en fait. Et Vitchek va sortir un petit alcool de sa composition, qu'il va mettre dans des petits verres. On a bien mérité de se détendre un peu, dit-il en poussant un verre vers vous. Oh non, pas le verre. Et Luna le boit d'un trait. Quoi ? Ah, on va pas insulter, on va boire. Ça sent les plantes. Profitez de ces fabuleux dés pour me lancer un D20 sous votre constitution. Donc il faut faire moins. Ça sent trop fort, je vois pas. Il faut faire moins que votre constit sur un D20. Sinon vous recrachez en toussant. C'est bon, je bois pas. Royce, c'est un bonhomme. Tu veux un deuxième verre? Tout va bien. Deux bonhommes pour le prix d'un. Vous buvez sans recracher. Alors, ça fait plusieurs fois maintenant que vous en buvez. Vous sentez qu'on peut finir par s'y habituer en vrai. Les débuts sont un peu rugueux, mais c'est fruité quelque part. Bon, récupérez ma main d'or. Vous êtes sûr qu'elle est chez elle? Alors, Luna acquiesce et lui dit oui, je lui ai remis. Enfin, de ses propres mots, hein, je l'ai entreposé chez elle. Tout seul, je pense pas qu'on va y arriver. Et je vois pas bien comment, en fait. On va pas prendre le temple d'assaut. Ni frontalement, ni en douce. Non, ce qu'il nous faudrait, ça serait... d'invisibilité. Si seulement ça suffisait. Vous avez vu la taille du temple? Le truc peut être n'importe où. Oui, il est grand. Peut être n'importe où. Non, c'est... Alors, moi, dans les questions que j'ai là de suite, c'est pourquoi est-ce qu'elle en a besoin? Qu'est-ce que ça lui apporte?
Et la deuxième, c'est qu'en pense ma cousine? C'est une question qu'on avait aussi. Parce que si elle a voulu récupérer les deux mains, elle en a qu'une. Donc, quel que soit son plan, il lui manque toujours quelque chose. Et Oren ne va pas s'arrêter là. Elle a été trop loin pour rebrousser chemin et me rendre la main d'or en souriant et en disant « Oups !» Donc elle va vouloir la main d'argent à tout prix. Donc elle doit déjà être en train de monter un plan pour récupérer la main d'argent. Et pour le coup, ma cousine, aussi bornée soit-elle, va peut-être pouvoir nous aider. Ça peut être un formidable appât. Et elle joue sur le fait que Luna a été relâchée et qu'elle est à nouveau là. Elle jouera peut-être sur le fait que la main serait plus en sécurité au temple pour faire en sorte que sa sœur lui donne. Par exemple, c'est un projet qui tient la route, c'est crédible. Alors, inutile de vous dire que moi, je peux pas me présenter à la guilde des Trois Plumes pour parler à ma cousine. Nous, oui. Vous, oui, par contre. Eh, il va falloir que vous le gagniez, hein, votre trajet 50-50. Oui. Et le plus dur sera sûrement de la convaincre d'utiliser sa main d'argent comme appât. Et si elle accepte de la cacher, de la remettre au temple, ça veut dire que Oren aura les deux mains en sa possession et va tenter et Dieu seul sait quoi. C'est là que je manque d'informations. Ça semble être en rapport avec Enzolo Borden. Borden ? Elle a récemment été fouillée dans les archives du manoir Borden et elle a été jusqu'à faire déranger l'esprit d'Enzolo Borden pour l'interroger sur on ne sait quoi. La mine. Elle cherche la mine. Il y a une théorie sur l'ambre Borden, l'ambre bleue. Beaucoup de gens pensent que Enzolo Borden est venu s'installer à Balioun parce qu'il recherchait la mine. Sa mine. Mais c'est une théorie, parmi tant d'autres. Hein. Mais l'arrivée du nécromancien au moment de la disparition de mon ancêtre, déjà une coïncidence assez sympathique. Le fait que Borden arrête de vendre ses ambres bleues peu de temps avant de déménager ici. Le fait qu'il passe sa vie ici, qu'il y meurt. La mine est ici, quelque part. Et elle doit savoir où. Ou à peu près savoir où. Et là où ça devient intéressant, c'est que ça voudrait dire que les mains ont un rapport avec l'accès ou la localisation de cette mine. Et c'est pour ça qu'elle veut les deux. Et c'est pour ça qu'elle veut pas nous le dire. Pas qu'on s'inquiète ou qu'on cherche par nous-mêmes. Vous m'avez dit qu'elle avait des problèmes d'argent. Le temple sans en avoir, oui. Je me suis renseigné un petit peu après que vous soyez passé. Elle a fait venir des artisans il y a quelques semaines. Mais pas pour de la rénovation et de la dorure de colonnes. Il y a une partie du temple qui s'est affaissée. Et elle l'a fait consolider. Ce qui d'ailleurs lui a coûté la peau du cul, sauf qu'elle n'a pas payé. Mais elle a peut-être trouvé quelque chose, en vrai. Et si elle avait trouvé un accès aux mines, à cause de cet affaissement, sous le temple? Pourquoi pas, ça se tient. Alors, autant vous dire que celui qui trouve la mine d'ambre bleue, ça fait 200 ans qu'on n'en a pas vu une ombre bleue. Depuis que Borden a arrêté d'en fournir.
ça vaut cher. J'ai les mots me manquent, mais ça vaut cher, vraiment cher. Et bien voilà qui prend une autre tournure, et voilà qui ne doit jamais arriver aux oreilles du sergent Dars. Parce que si lui, il met la main sur la mine, c'est foutu. Bien, bien, on a un début de plan. On a un début de plan et on a un léger creux dans ce plan. C'est entre le moment où ma cousine mord à l'appât et le moment où elle fait ce qu'elle veut faire, comment est-ce qu'on est là? Comment est-ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on est présent? Comment est-ce qu'on l'intercepte, l'empêche, l'espionne? Je pensais quelle partie du temple était affaissée. Ben, on pourrait demander aux artisans qui espèrent encore se faire payer. La partie qui oui, s'est affaissée, vous l'avez vue. C'est la partie où il y a la statue. Ah. La statue, qui a les mains Qui a les mains tendues. La coïncidence? Je ne crois pas. Ouais. Est-ce que il y a moyen d'accéder à cette partie-là par l'extérieur du temple ou pas? Il y a des fenêtres. Si tu affiches l'indice, donc le troisième petit truc, tu verras que il y a une grande, un grand puits de lumière au plafond qui est vitré. Et derrière la statue, il y a une espèce de grande arche qui mène sur un balcon. Mais c'est pas des choses qui s'ouvrent, ça. Si, si, si. Le truc du fond n'est pas vitré, c'est un balcon, quoi. Ah, d'accord. Ah. Et donc, on l'a forcément vu en visitant la pièce. Ouais, je croyais que c'était une baie vitrée, moi, en fait. Non. Le plafond est vitré. D'accord. Voilà qui est intéressant. Oui, on pourrait essayer de s'introduire à la faveur de la nuit. Avec le sort d'invisibilité et un peu de discrétion, ça peut se jouer. Est-ce que le temple, la nuit, il y a plus de monde que le jour? Est-ce qu'ils dorment là-bas? C'est calme la nuit. C'est plus calme. Il n'y a pas de visiteurs, par exemple. Les gens ne viennent pas demander des trucs au prêtre. C'est 20h. Je vous rappelle quand je vous l'ai décrit que la nuit, il y a tout un tas de braseros dehors qui sont allumés pour le mettre en valeur, éclairer les bas-reliefs, etc. etc. Donc il n'est pas non plus plongé dans une obscurité totale. Il est bien éclairé, mais il est suffisamment vaste. Je vous rappelle qu'il couvre une grande superficie. Il a beaucoup de dépendances. Ça veut dire qu'il y a quand même moyen d'arriver à s'en approcher sans tomber sur quelqu'un. Et surtout qu'ils ne s'attendent pas à voir quelqu'un d'invisible essayer de s'introduire à l'intérieur. C'est pas super courant. Voilà. De ce que Vitchek en sait, il n'y a pas sur le temple de protection magique globale, générale. Il sait que certaines pièces du temple sont protégées par les prêtres, mais que ce sont des pièces qui ne sont pas d'accès public, où il y a des choses de valeur par exemple. Les appartements privés d'Oren aussi sont sûrement protégés. Par contre, ça c'est une pièce de dévotion. C'est une pièce où les gens du commun peuvent aller pour se recueillir devant la statue, donc elle n'est pas ni magiquement verrouillée, ni scellée, ni protégée, ni il n'y a pas un déluge de magie de protection dessus, on va dire. Et de ce qu'il en sait, il n'y a pas plus de mécanisme de protection ordinaire, en fait. Il n'y a pas de piège, par exemple. Alors ça, il le sait. Des gardes Non, il n'y a pas de garde armée au temple. Il n'y a pas de milice au niveau du temple, il n'y a pas de soldats, d'hommes en armes, il n'y a que des prêtres. C'est un...
On les a jamais vues, nous, les fameuses mains d'or et d'argent. Non. Mais Vitchek peut... Elles ont quelle pose? Vitchek peut arranger ça. Il vous sort... Bah, il a fait des... Il vous sort la copie de la main d'or. Il vous pose devant vous. Voilà. Bah oui, tout à fait. Elle se tient comment par rapport aux mains de la statue? Est-ce que ce serait remplaçable, par exemple? Alors, déjà, la main... Les mains, puisque c'est pareil pour la main d'argent, ne sont pas pleines. Elles sont creuses. C'est-à-dire qu'on peut les enfiler comme un gant, si tu veux. Tu peux porter la main d'or. Ah, elles sont pas rondes. Non, elles sont pas, elles sont creuses. Elles, ouais, sont, d'accord, ok. Elles ont été moulées sur les mains de Julius, mais de fait, tu peux les porter sur tes mains à toi. Ouais, tout à fait, les mettre sur les mains de la statue. C'est une main gauche, c'est une main droite, et de ce que vous voyez de la copie de la main d'or, elle n'a pas une position lambda. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, elle n'est pas comme ça, la main, quoi. Elle a une position où les doigts ont un sens très précis. Elle a un geste, la main. Et ce que Vitchek peut vous dire, parce qu'il a eu la main d'argent entre les mains il y a 5 ans, c'est qu'elles ne sont pas symétriques. La main d'argent n'est pas le reflet de la main d'or. La position est différente. C'est une autre position. Et on peut la mettre, elle aussi, sur sa propre main. Ce qu'il a fait d'ailleurs, parce que c'est très curieux d'avoir la main de ton ancêtre que tu peux mettre sur ta main à toi. C'est un peu bizarre. Et quand on est face à la statue, le réflexe de tout le monde, c'est de lui prendre les mains. Bah, tu demanderas à William, c'est quasiment irrésistible. Et en portant ses gants, on arriverait à prendre les mains. C'est la même position ou pas? On pourrait. Est-ce que c'est pas ça le truc? C'est de prendre les mains de la statue en portant les deux mains pour actionner l'éventuel mécanisme. Va savoir. Maintenant, je veux la main d'argent, je veux savoir. Mais pour ça, faut aller parler à ma cousine. C'est ça. Ouais. Ce qu'on va aller faire. Et donc, il nous faut de quoi négocier avec la dite cousine. Oh. Et déjà, la persuader. Parce que madame est persuadée. Est-ce qu'on doit lui parler de Vitchek? Vous ne pourrez pas lui cacher. C'est-à-dire, si vous éventez le plan que vous avez en tête, que vous lui en parlez, parce que vous avez besoin de sa main d'argent, c'est que vous savez qu'Oren a la main d'or. Et si vous savez que Oren a la main d'or, c'est parce que Luna vous l'a dit, que vous l'avez fait sortir de prison et qu'elle est chez moi et que vous avez forcément contact avec moi. Il vaut mieux pas mentir à ma cousine. Là. Ne jouez pas. La question à se poser, c'est est-ce qu'on lui parle de la mine? Ah, non. Non, 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 non. Surtout pas. Surtout pas. Vous savez, je vous ai dit que ma guilde n'allait pas très bien en ce moment. Vous venez de vous rendre compte que les finances du temple n'allaient pas très bien non plus. C'est assez général tout ça. C'est pas juste moi qui suis un mauvais gestionnaire et Oren qui sait pas gérer un temple. C'est que ça fait plusieurs temps maintenant que le commerce va pas bien dans la province. Dans la province entière, je veux dire. Il y a des gens entiers qui se retrouvent ruinés. Des commerces qui s'arrêtent, il y a des faillites, il y a des caravanes qui passent plus par ici. C'est... Toute notre fortune est en train de disparaître petit à petit. Alors, autant vous dire que cette mine, elle va être méchamment convoitée. Ah, c'est pour ça que si vous la dirigiez conjointement avec votre cousine, ça pourrait être une solution profitable à tout le monde. Oui, et puis après je lui brosse les cheveux et... Et on te raconte des histoires avant d'aller se coucher. Et pourquoi pas? Enfin, peut-être pas le brossage de cheveux et les histoires avant d'aller se coucher. Hein. Parce que mon père a épousé une Dane et parce que le père d'Arabelle ne l'a pas acceptée parce qu'elle a été élevée par lui. Et que je ne suis qu'un bâtard. D'accord, elle a été élevée par lui. Peut-être, mais c'est sa propre sœur qui est en train de manigancer un plan vraiment affreux. Ouais, je crois pas que ça soit très reluisant pour son côté de la famille non plus. Je vais vous dire, c'est pas moi qu'il faut convaincre.
justement. Moi, je suis la victime. Peut-être on pourrait... Mais est-ce que vous, de votre côté, vous seriez d'accord pour essayer de vous rabibocher avec votre cousine ? Avec les Cubeni ? On peut toujours essayer. Vous savez, on prie à Dora, devinez qui il prie. Vous aurez tout compris. L'autre sœur. Oui, mais ces deux sœurs sont les mêmes aspects du même père. Sont les deux aspects du même père. Oui. Je sais bien. Et elles se détestent pas. C'est une excellente question. Si vous les croisez un jour, vous leur poserez la question. On peut être différent et pas se détester. Regardez, j'aime bien William au fond. Je reconnais beaucoup de qualités à ma cousine. C'est une badioune. C'est une excellente dirigeante. Très bonne commerçante. Très efficace. Très intelligente. Elle est juste... insensible. Incapable du moindre compromis. Exigeante. Intransigeante. Faites-moi tous les trois, en utilisant vos compétences, donc pas les dés, hein, en cliquant sur la compétence, j'ai en perception. Vous devriez tous la voir normalement. Oui. 8. Un 10 va me suffire. Non, 6. Un 10 va me suffire. Je sais pas. Oui, un 6. En quittant l'endroit, avant qu'on vous remette le bandeau sur les yeux, William, tu n'es pas sans remarquer le fond de la grotte. Auquel tu n'avais pas prêté attention parce que c'est vrai qu'il y a un sacré Capharnaüm autour de vous. Mais le fond de la grotte est assez curieux parce que au lieu que ça soit un mur lisse, c'est un énorme éboulement. Et on vous ramène hors de la grotte. Votre petite analyse vous révèle que l'accès doit être dans une maison. Un sous-sol de maison, sûrement. Mais en tout cas, quand on vous enlève le bandeau, vous êtes en pleine rue. Vous avez bien marché et vous êtes infichu de savoir où vous étiez. Ah, ça doit être un autre accès à la mine. Et le mage avait planqué ses accès en les rendant pas repérables facilement. Et vous voilà libéré, délivré. Non, parce qu'à sa place, j'aurais caché ma mine aussi. Quel est donc votre prochain mouvement ? Arabelle, je suppose.